Bienvenue dans cette vidéo de formation où je vous apprends comment créer cette carte de visite telle que vous l'avez vue au démarrage. La première des choses, nous venons sur la conception ou sinon sur la mise en page où nous sommes sur taille, nous cliquons et puis nous sommes sur autre taille de papier. Et à partir du moment où cette boîte de dialogue s'affiche, vous avez l'amabilité de chercher à donner, à personnaliser votre carte de visite. Et je vais au niveau de largeur et hauteur, en dépassant ici, et ici je mets par exemple 4 cm, et ici je mets par exemple 2,3 cm. Et lorsque je termine ici, je ne clique pas encore, je vais au niveau des marges, je vais diminuer les marges à 0, je mets à haut 0 cm, et à gauche 0 cm, en bas 0 cm, mais aussi à droite 0 cm. Et quand je termine le tout et voilà. J'ai désormais ma carte selon son format. Et je duplique directement pour en avoir deux parce que c'est juste une carte recto verso. Et lorsque je termine à faire ceci, l'étape suivante, je reviens au niveau de l'insertion. Et je vais récupérer la première forme rectangulaire qui me pousse à remplir toutes les portions et où je vais soit venir d'abord ici et enlever les couleurs de contour et puis remplir l'objet tel qu'il devait être. Alors, lorsque je fais ceci, l'étape suivante c'est laquelle? C'est de changer la couleur de ceci. Alors, je vais ici au niveau des couleurs de remplissage, je vais sur autre couleur qui va me donner l'état de cette couleur ici. Alors, j'en choisis, je vois promptement et puis j'observe jusqu'à ce que j'aurai cette couleur-là. Je clique, espérant que c'est cette couleur ici. Alors, dès lorsque je termine à mettre cette couleur en place, l'étape suivante, c'est laquelle? C'est de vouloir chercher à créer aussi un petit logo, le logo que je vais mettre ici. Le logo en question, je peux toutefois soit en créer ou sinon en importer. Mais l'idée est que je puisse tout simplement venir créer. Je viens ici, je vais au niveau des formes, je descends jusqu'ici, je récupère cette zone ici et que je vais mettre au milieu. Regarde-moi tout ce que je vais faire, afin que vous puissiez aussi à votre tour arriver à les concrétiser. Alors, dès lors que je mets ceci à sa place, et l'étape suivante, c'est laquelle? C'est de venir au niveau des contours et prendre cette couleur, le mettre à la couleur blanche, mais aussi, d'abord, je fixe l'élément à son vrai centre et aussi faire une autre manipulation, c'est de mettre la couleur du milieu à sa donne convenable. Et qu'est-ce que je fais par la suite? Je duplique cet élément ici que je vais essayer d'agrandir tout petit peu. Et quand je termine à les grandir, et qu'est-ce que je fais par la suite? Je viens enlever la couleur de l'intérieur. Et qu'est-ce que je fais? J'arrange mon histoire promptement. Bien, vous voyez? Donc, j'ai déjà une petite réalisation réalisée par moi-même. Et puis, je viens ici, j'ai choisi juste un petit rond que je vais mettre ici au milieu. Donc, nous sommes en train d'élaborer notre logo et voilà. Et dès lorsque je termine ici, je viens, je mets la couleur noire de part et d'autre de notre petite histoire. Voilà, donc ça c'est la première étape qu'il faut pour réaliser de telles choses. Alors, je mets les noms de notre et nous terminons cette première partie. Alors, nous venons dans notre deuxième partie du travail où nous prenons rapidement la couleur. Cette couleur ici, je duplique et je ramène ici. Vous voyez, je mets là-bas et ici, j'amène jusqu'au milieu. Je jauge tout simplement les milieux. Et ici, je viens. Puis je ramène l'élément et puis je vais chercher aussi d'autres couleurs. Je me dis, bon, je peux toutefois choisir cette couleur ici. Et voilà, nous avons cette couleur ici à la place.
Nous avons cette couleur ici à la place. Et qu'est-ce qu'on va faire? Nous dupliquons un tout petit peu la couleur en question. Nous dupliquons la couleur. Et ceci, nous donnons l'image de notre première couleur. Et nous les ramenons tout petit peu en recul, en arrière. Vous voyez comment on fait. Et ensuite, nous diminuons la tendance de cette couleur ici. Voilà, nous ramenons ceci ici et puis nous ramenons celui-ci ici à sa place. Voilà, donc dès lorsque ceci est fait, nous pouvons désormais essayer d'ajouter d'autres éléments. Je vais au niveau des formes et puis je vais choisir quel est l'objet qui va me permettre à bien agencer le reste du travail. Je vais choisir. Je crois que ça va avec celui-là. Et voilà donc, notre jolie carte est plus ou moins à sa fin. Et je ne sais pas si vous avez autre chose, mais à notre avis, sincèrement, l'essentiel est fait. Et nous pouvons vous les présenter en double. Vous voyez, quelle beauté, quelle propreté. Et voilà, nous imprimons ça de façon professionnelle dans tous les décences, et ceci va être quelque chose de très 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 louable. Et voilà, donc s'il y a quelques petites histoires qu'on peut ajouter, par exemple, on ajoute aussi certains quelques petits reflets, juste quelques petits reflets de contour, quelques petits reflets, juste des petits reflets, et puis on les tourne comme ça, et voilà, on les ramène à la fin. Et ici, nous mettons sans contour. Et ici, nous prenons cette couleur ici, nous la mettons là-bas. Et puis, nous pouvons récupérer encore celui-ci, nous ramenons là-bas. Et ici, nous prenons la couleur inverse, nous mettons ici. Vous voyez? Donc, ces reflets jouent aussi un petit rôle. Et très, très, très important. Voilà, donc nous mettons des reflets et voilà. Et comme ça là, notre carte est bien agencée. Alors, si vous avez aimé comment créer cette petite carte professionnelle par vous-même, voici comment on les fait. Vous pouvez les télécharger. N'oubliez pas à vous abonner sur notre chaîne et progresser ensemble avec vous. Nous progressons petit à petit pour arriver vers des choses les plus matures dans les temps qui vont davantage venir. Merci. Portez-vous bien et à la prochaine.